Et salut les abonnés, les gens qui vont me regarder, les youtubeurs. Je suis The Killer 2.0. Et là, je vais faire une vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. En fait, c'est pas vraiment une série ni une vidéo, c'est plutôt un tutoriel. On va dire, je vais vous donner deux astuces au début du jeu. Moi, j'ai choisi Pokémon Soleil, comme vous voyez à l'écran, parce que j'aime bien le légendaire lion et l'évolution de Rocabo. Je vais vous mettre la première astuce maintenant. Alors, me revoilà. Alors, l'astuce, ça va être sur le poker écrit. Désolé pour mon doigt, c'est la première fois que je filme ma 3DS. Alors, là, vous pouvez caresser votre Pokémon, le nourrir. Ça, c'est la base de poker écrit. Normalement, si vous avez Pokémon XY, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, la deuxième partie de la première astuce, c'est, vous voyez, quand vous êtes dans les hautes herbes, comme là, et que vous faites défier avec vos Pokémon. Quand vous l'attaquez, désolé. Alors, vous l'attaquez. Alors, lui, il me mouille. Vous voyez, il m'a fait pistolet à eau. Je vais passer là, je vais revenir. Voilà. Re. Vous voyez quand il y a écrit soin là avec Y quand vous faisiez un combat? Parfois. Hein. Là je viens de monter niveau 7. Il en prend coup de boue. Voilà, ça lui fait un cœur quand vous soignez plusieurs fois. Vous voyez là? C'est là où les gens ils arrivent pas trop en fait. Moi j'arrive. Vous cliquez là. Et là, il vous propose plusieurs choses. Il vous propose le coton pour l'antipara pour la paralysie. Pour la paralysie, vous restez appuyé et vous tournez comme ça. Du coup, ça va enlever la paralysie. Puis le peigne, ça sert à enlever les poils quand il y a trop de poils. Quand il y a trop de poils ou des poils mêlés, ça vous l'enlève. Il faut juste quand vous avez l'outil et que vous voulez enlever, vous voulez démêler, il faut juste que vous prenez l'outil, vous lâchez pas et il faut que vous, comme si vous caressez le Pokémon là où il y a, là où vous voyez une boule de poils. Puis après, il y a la serviette. La serviette, moi je pense que c'est pour éteindre le feu de quand ton Pokémon est brûlé. Mais bon, ça c'est qu'une théorie, hein. Je sais pas encore si c'est vraiment ça. Puis il y a la brosse, ça je sais pas vraiment à quoi ça sert, je sais pas encore. Attends, hop là, ouais, ça, je sais pas trop à quoi elle sert. Par contre là, quand votre Pokémon est mouillé, vous prenez le sèche-cheveux et vous restez appuyé longtemps là où il y a la goutte. Si vous lâchez, il disparaît le sèche-cheveux. Voilà. Voilà, vous voyez? Du coup, là, il est tout sèche, il est tout content. Là, je vais lui donner à manger parce qu'il s'est laissé faire. Et oui, t'es gentil, toi. Lui, je l'ai pris parce que j'aime bien son évolution. Voilà.
On va passer à la deuxième astuce que vous allez vous montrer. Elle est moins importante que celle-là. Deuxième astuce. Alors, quand il y aura Lily qui va vous amener vers l'infirmière Joël. Vous allez vous soigner, acheter des trucs si vous voulez. Le plus important, quand vous allez venir pour la première fois au centre Pokémon avec Lily, il faut que vous parliez à ce monsieur. Comme c'est la première fois qu'il va vous voir, il va vous donner des cadeaux. Et il va vous donner des trucs sur votre. Quand vous faites Y là, pour voir le menu ou X. Ils vont vous donner un truc. Et ce truc, c'est important. Et pour la suite. Du coup, je vais pas faire X ou Y. Je vais pas ouvrir le menu pour vous montrer. Parce que je préfère laisser ça aux youtubeurs comme, je sais pas moi, Gelius ou Newtitef ou Trash. Voilà. Moi, c'est juste pour aider les youtubeurs et vous aider vous pour. Pour votre série quoi, pour votre partie. Alors moi, en lui parlant, j'ai gagné des choses. Moi, je sais pas si vous allez gagner des choses, j'espère pour vous. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous apprendre. Parce que j'ai vu que dans la série de Trash, il a carrément zappé ce chose. C'est déjà intéressant, hein. Alors pour ça que je fais cette vidéo pour vous aider tous. Allez, ciao!